Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment récupérer l'invocation Cendre de Fleur de Miranda. Donc on se trouve au sud de la Kaelid, donc à la cathédrale de la communion draconique, qui est quasiment le site de grâce le plus au sud. En fait, si vous avez suivi le chemin standard, donc en fait vous êtes entré par la Kaelid par le nord-ouest, ensuite vous prenez juste le chemin pour arriver jusqu'ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à une catacombe qui se trouve un tout petit peu plus bas. Donc c'est un coin qui est pas très compliqué à trouver. Il faut juste faire attention en fait aux chiens géants qui sont sur la route. Alors après, techniquement, vous pouvez zigzaguer entre eux. Normalement, si vous restez à cheval, il ne va rien vous arriver. Et par contre, juste avant d'arriver à la catacombe, vous avez un corbeau. Donc là, on est en train de descendre tranquillement. Dès que je vais pouvoir sauter, voilà. Paf, je vais le faire. Alors, là j'ai pris le chemin safe. Vous pouvez également descendre avec les racines. Donc là, alors, on va pas bien le voir, mais on a en fait un corbeau qui va être juste au-dessus. Hop. J'en profite juste pour récupérer la pierre de forge sombre. Et donc là, voilà. Donc là, j'ai juste foncé. Je fonce sur la porte, je l'active. Comme ça, le corbeau va m'attaquer. Et je profite de l'animation pour passer au calme. Nous voilà donc dans les catacombes de Kaelid. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ces catacombes, on va pas être obligé de faire le boss. On va juste marcher un petit peu. Alors, ah, je voulais récupérer. Le mugage n'est pas réussi, c'est pas grave. Alors, pas de grosses difficultés ici. Bon, on a un squelette dans cette catacombe. Il me semble pas de gargouille. Donc comme vous avez vu, on a du sol avec de la putréfaction. Donc il faudra juste faire un tout petit peu attention. Et là vous avez un mur invisible. Et donc là, à côté de la fleur et du muguet, les cendres de fleurs de Miranda Ghetto d'Asie. Voilà. En fait, on va pas aller plus loin et on va voir tout de suite comment on peut les utiliser. Nous voilà de retour donc au niveau du chute de grâce des portes, donc au tout début du jeu. Donc là, je viens d'invoquer les fleurs de Miranda. Juste prendre l'aggro sur ce mob. Et donc là, vous voyez, en fait, on invoque 4 fleurs qui vont lâcher du poison de manière quasiment ininterrompue. Et c'est à peu près tout ce qu'elles vont faire. Donc, je sais pas ce que ça donne concrètement à haut niveau. C'est plutôt rigolo. Je pense pas que ça marche vraiment contre un boss, mais en tout cas, vous voyez son petit effet, son petit côté pyrotechnique assez sympa. Donc YouTube, on va se laisser ici. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. À très bientôt.